avec le premier but de Lyon. Il faut dire que le PSG a été rapidement contraint à jouer à 10 contre 11 après l'expulsion de Dieng. Et là, une mésentente entre Colter et Lama. Et c'est James Deba, le Libérien, qui en profite pour marquer. C'est en deuxième mi-temps. Et une fois de plus, Deba est rentré. Deba a marqué. Lyon mène 1-0. Par la suite, le PSG fera le forcing pour tenter d'égaliser. Et en toute fin de match, eh bien, c'est Stéphane Paille qui, de la tête, va devancer la sortie de Bernard Lama pour inscrire le deuxième but. 2-0. Gerland était comble. Et une très, très, très bonne affaire pour les Lyonnais. Vous allez le voir dans un instant avec le classement actuel de première division, donc à l'issue de cette 9e journée. Voici d'abord les résultats qui vous sont récapitulés, notamment donc Auxerre-Lille 2-0. Voilà, Nantes premier 21 points, Lyon 20 points. Ils ont fait le trou, on peut le dire, après Lens, Cannes, Saint-Étienne, Strasbourg et Martigues.